My name's Perna, and I'm going to tell you about the worst bloody holiday ever. I was at the Royal Palms Resort on Benoit, working as a bodyguard for some asshole CEO. I figured once he left the island, I'd have a good week to relax on the beach, enjoy a Mai Tai or two. But no, that wasn't to be. As I woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. A local lifeguard by the name of Cinnamore saved my life. Soon after that, I discovered I was immune to whatever this plague was. I met a few others who were immune, and somehow we were all elected to save everybody else. There was Sam B, a one-hit wonder hip-hop star from the States. Logan, an ex-football player and full-time douchebag who never missed a chance to hit on me. And Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together, we went to Norsby to try to gather more supplies. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection, but they were bloody useless. Benoit itself was totally isolated. It was pretty clear we were on our own. At this point, we just wanted off that goddamn island. And that's what led us to that maximum security prison. You see, some dickhead colonel by the name of Ryder White lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague. Well, that cure ended up turning White into a giant bloody maniac. Luckily, we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter. We were off that goddamn island at last. And everyone we tried to save back on Benoit, well, they just didn't make it. Except for that little native girl, Nerima. We spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Get off me! Get it off me! Get it off! What's with the cuffs? Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Don't resist and you'll be fine. We just need to be sure you don't pose a threat. Ain't we no threat? The threat's on Benoit. You have any idea what's happening back there? We have an idea. We're hoping you can help us fill in the details. Especially her. You keep the hell away from her. Frank Serpo. I should have guessed. Are you the one in charge of this clusterfuck? Watch yourself with this guy. This freak would sell out his own mother. If he had one. Take the immune down to the lab. The two others will come with me. Lab? Do we look like goddamn guinea pigs to you? I'm a citizen of the USA, man! I got motherfucking rights! Back off, Serpo. But just stay out of it. What the fuck, man? Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Palinai, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Somebody tell me what the fuck is going on here.
They have a very high tolerance, Mr. Serpo. I've already administered 3 doses. So how much longer? You said we'd have results by now. Sir, this is uncharted territory. We'll need another day at least. Just be careful. We don't want them dying on us. What about the native woman, Yerima? That's a more complicated case. She's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, God. Oh, my head. Oh, what the hell happened? The motherfuckers drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. So you immune too? So it seems. What? They plant you here to spy on us? Right. That's one beat to shit like this. It's all part of my cover. So they tested you too? Yeah. I'm guessing they're trying to figure out why we're all immune to this. How'd you get here? I was a soldier before the shit hit the fan. Part of a huge humanitarian search and rescue operation. And then that civilian arrived. Serpo. Right. Suddenly, the military was no longer in charge, and the rescue operation was called off. So what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still woozy from these bloody drugs. Damn, man, my head's killing me. Where's everybody else? They take him while I was out? Been to hell and back. Now I'm locked up in this ship. Fucking great. This is Colonel Hardy. The ship's been compromised. If you're down in the hold, I'm opening all the cell doors. Alright, gotta find a way out of here. Hope this tub has some life rafts. Bonjour à tous, c'est Dylan759 et aujourd'hui on se retrouve sur Dead Island Riptide avec mon ami Laurencio759. Effectivement, on est toujours là. En plus, il y en a certains qui ont su voir nos premiers épisodes sur le premier Dead Island. Certes, on n'a pas fait une espèce de playthrough, enfin bref. Vous savez le nom que j'arrive pas à dire. Qu'on n'arrive pas à dire. Ouais, effectivement, qu'on n'arrive pas à dire. Certes, on dit bien aussi qu'on va faire ça, mais on n'a pas fait. On a fait à la fin un condensé, mais cette fois-ci, moi je dis en tout cas, on essaie de faire une série. Ouais, voilà, donc on va faire carrément une aventure playthrough, let's play. Oh. Bref, les noms qu'on n'arrive pas à dire. Ouais, enfin, voilà. Let's play, ça va. Mais au playthrough, machin, chouette, ça va. Bref. Oula. Bah, moi je suis dans la prologue, je t'attends, mon cher ami, que tu sois aussi dans la prologue. Mais moi j'ai déjà avancé dans la prologue. Oula, attends, là, oula, putain, le bateau bouge, j'aime pas quand il bouge. Voilà. Donc on va faire on va dire let's play sur Dead Island Riptide. Dead Island, premier du nom qui nous a particulièrement plu. Adoré. Ouais, voilà, on a vraiment adoré déjà que Lorenzo et moi on est mes fans de zombies. Ouais, jeu de zombies, c'est pas déchiré là. Ouais, voilà, jeu de zombies. Et on avait vu une vidéo de Dead Island et on. Oula. Et on a particulièrement bien aimé, on a été se l'acheter. Oulala. Je me prends déjà. Il y a des boutons. Ouais, je me prends déjà un sale coup. Ah, c'est quand même que t'as envie de dire. Non, j'ai reçu une explosion dans la gueule, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ah non, c'est pas explosion, c'est des trucs de l'eau. En tout cas, j'aime pas faire un bateau, j'ai pas envie de faire la Titanic, moi là, ok. Lol. J'ai une arme. Et donc on... Ah mais non, dégueulasse. De quoi? J'ai enlevé mon money, mais j'ai pas mes armes que j'avais quand j'étais niveau 50.
Ouais. Il m'a protégé là, mais ma chaîne. Ouais, donc. On voulait faire. Enfin. Ah, ouais, ça se voit qu'on est niveau 52. Pied de biche, déjà 567 de dégâts. Ouais. Donc, on avait une. On avait eu des informations à propos de des Disneyland Cryptid. Je voulais vous faire une vidéo avec toutes les informations. Je m'étais déjà entraîné pour le commentary, il durait 4 minutes et là il y a déjà un zombie. Il y a déjà deux zombies. Voilà. Donc même maniabilité trophée déverrouillé et je suis déjà mort car j'ai reçu une explosion dans la gueule, ça obtenir le niveau 50. Vous voyez, c'est pas un cheat. On peut obtenir les personnages de Disneyland premier du nom. Donc ça, oula. C'est vraiment super. Donc là, il n'y a plus rien. Donc, lui, il m'a eu. Ça, c'est vraiment super. Apparemment, on nous avait dit qu'on pouvait directement. Et heureusement que j'ai pas fait la vidéo qui explique les informations sur les Disneyland Cryptid, car on nous avait dit que directement que ça se lance on avait déjà nos armes et tout, mais en fait non, là je vois que pas du tout. Peut-être à la fin on va les récupérer. Alors nous comme hypothèse on avait dit que c'était qu'on se crash ou que l'hélico n'a plus de carburant, qu'on était obligé de se poser. Enfin, c'était nos hypothèses. Et en fait, non, on a bien atterri. On s'est fait mal accueillir. Donc là, petite prologue très mouvement. Ah, encore un jet. J'espère que ça m'a pas enlevé de vie. Je sais pas si ça m'a pas enlevé de vie. Donc déjà un jet. Oula. Déjà un jet. Et je peux te dire, elle est haute, enfin elle va vite, c'est pas possible. Donc on verra que j'ai une barre, moi en tout cas c'est bon. Donc ça va assez vite. Donc monte une barre en haut et une barre en bas au moins ici. Tu te déplaces. Non mais c'est le Titanic, moi je disais bien, c'est le Titanic. J'ai oublié comment on jouait à Disneyland. Il y a toujours cette petite barre où ce qu'on doit avoir de l'énergie, enfin du souffle si je peux dire ça comme ça. Ce qui rend la jouabilité plus difficile, ça nous donne du défi. On va prendre un marteau, on va prendre ça, c'est toujours utile. On va se redonner de l'énergie avec quelques boissons. Ça ce qui était vraiment vachement, oh putain, vachement bien pensé. T'as pas reçu un jet à ce moment-là qui t'a enlevé la moitié, le trois quarts de ta vie. Un jet non, une explosion, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit. L'explosion, elle a pas vraiment fait mal. Ah. Oh putain. La prologue est vraiment très difficile. Hein. Alors c'est du fait qu'on met... On est niveau 50. mais les zombies sont mal. Ouais. En même temps, on n'oublie pas déjà qu'on était sur... le premier était au niveau 50, c'est quelque chose. Mm-hmm. En même temps, on avait tout avec les armes complètement pétées, donc... Ouais. Plus vite, dégage toi. Ah ouais, le fameux L1 et R1 qu'on voit dans un juste. Mais le système, si je veux dire ça comme ça, bateau, c'est quand même bien pensé pour une map. Ouais, c'est que toi que j'ai eu mal des mères. LOL. Enfin bref, juste d'un côté, j'ai jamais voyagé sur un bateau, les gars. Ben moi si c'était en vacances, j'ai une petite anecdote qui va servir à rien. J'étais en vacances et j'avais été en bateau et après quand j'avais été chercher mes frites, et ben mon assiette elle bougeait dans tous les sens. Ouais, j'étais énorme vert, vous payez. Ah moi non. Oh putain. Attends, oh. Attends, on peut dire... Ah, voilà la carte.
quête. Ah ouais, on a carrément le niveau. La difficulté. De quoi? La difficulté qu'on... fait select. Attends. Voilà. Donc carte, quête, inventaire. Tu vois, équipe. Va en quête. Et t'as une difficulté avec les crânes rouges. L'XP que tu peux gagner, l'argent et tout. L'inventaire. Ah ouais. On a choisi niveau 53, mon couteau, je le vends. Il y a un incident au bord d'un bateau, sauvez votre peau. Un petit peu comme tout Dead Island, il faut à chaque fois sauver notre peau, donc on est un petit les peu compétences. Habitué. Ouf, on a quand même les mêmes compétences. Ouf. De quoi? Ah, on a toujours nos compétences. Ouais, je suis content. Ouf. Oula, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des trucs qui se sont... Ah non, ouais, donc c'est ouais, vraiment... Ouais, il y a des nouveaux trucs. Ah, mon compte donc. On verra bien alors là. Je... Ah ouais! Tu peux augmenter mon autre équipe. Niveau supérieur. Ah bah déjà. Oh, on commence déjà. J'ai déjà un flingue, mec. Ouais. Et maintenant, il y a un nouveau truc. C'est l'évolution des armes. Des différentes armes. Armes contondantes, armes blanches, armes. Enfin, corps à corps et armes à feu. Plus le niveau de l'arme augmente sur le point de vie, plus l'arme fait mal. Tiens. Mal, non? Ouais, pas mal. Et j'ai repéré qu'on avait un nouveau curseur, ce qui est pas mal. Ok, là on va pas se gêner, on va directement utiliser le pain. Ah bah ouais, je me souviens maintenant. Aïe, merde, tombé. Je me souviens que j'ai mon, allez, hop, mon là, coup de beignet, la cage. Eh ben, moi je trouve que les défis et les trophées avancent quand même assez vite. Hein. Ah, je me trompe à chaque fois avec le rechargement. Il faudra encore un petit peu de l'habitude. Niveau 54, le zombie quand même. Allez, c'est parti, on fonce. Boom, headshot. Je souviens que j'ai mon baby. On va un petit peu changer, je prends le pompe. Allez, c'est parti. Cadavre ambulant. Ah ouais, si tu es un zombie. Oh putain, j'ai entendu un joli assassin. Dès la prologue, ça fait très 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 mal. En même temps, ceux qui jouent à Division de l'équipe, c'est vraiment ceux qui sont gardés au fond de l'île. Ouais. On est d'ailleurs droit. Bon, je sais comment je dis. Recharge mon ami. Reload. Oh, yeah. Non, c'est une tête. Effectivement, donc bref, si on voit que la série avance bien, bah on va continuer dans l'épisode, sinon bah. On va quand même continuer dans l'épisode, en bas. Bah ouais, bah voilà, le bateau cool, je l'avais dit, Titanic, fais chier. Bon, en tout cas, je vais pas faire comme God of War, se dire que on... Oh putain, la vague, excellent. Qu'on va en solo, et en fait le solo j'ai même pas encore sorti. Oula, il y a quelqu'un qui m'aide. Ah, ils sont là. Allez, c'est d'accord. Bon, ah ouais, je me souviens qu'on a plus d'énergie. Oh putain, oh, une nouvelle nouveauté. Je viens de sauter sur un zombie. Je lui ai foutu un coup de poing, c'était magnifique. Boum, j'adore. Je sens que ce Dead Island Riptide va m'impressionner et va. Il est déjà en train de m'impressionner. Avec la prologue, moi je suis hyper content. Ouais. Alors, petite cinématique, je sais pas où est-ce que tu es. Je suis en plein lot. Voilà, bref. Bon, je vais pas te spoil, mais là c'est vraiment chien. C'est que celui en costard va faire. On a fini la prologue, on va se prendre plus loin ce zone. Un jeu de zombies sur mon pote Dylan, c'est pas. Oh ouais, merde, c'est un rocher. Ouais, mais Titanic, comme tu avais dit, l'autre il vient de se faire écrabouiller par une fesse. On fonce droit dessus, ouais, on a un autre problème. On a fait le trésor. Ou un kamikaze avec un assassin, si j'ai bien entendu. Ok, moi personnellement je ne vais pas me faire chier, je vais activer ma furie. Mon dieu, c'est quoi tout ça? Ah d'accord, on a une AK. Oh
tuerie. Ah, elle est comme ça. Ouais, c'est bien décrit. Ouais, j'adore la furie de Logan. Hop là. Hop. Ouais, et moi, voilà. Déjà terminé. Logan et Karma, c'est les deux meilleurs furies. Ah non, il y en a encore. Je vais m'amuser. Bah, j'ai j'entends encore un assassin. Bah, moi j'appelle ça encore. Ah, ok, encore un petit peu de temps. Ta lumière connaît dans l'eau et l'eau. Hop. Ah, elle est lente. Tac, 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 tac. Tac. Attends, oh merde, je voulais essayer un truc. Ouais, niveau complet, un demi-cerveau, lol. Ok, cette fois-ci, je. Pas. Voilà. Rejoignez le pont. Ok, c'est parti. Franchement, ça, rien à dire, je leur dis bravo pour avoir mis les niveaux des armes. Au moins, si plus on joue avec une arme, plus on augmente le niveau. Ouais, ça franchement, c'est cool. Ouais, parce que tonton, t'avais des armes, donc, en gros, tu tapais comme. C'est comme si tu tapais avec une épée en mousse, quoi. Ah, merde, ça, ça bloque. Merde, ça bloque. Ah, je vais finir, merde, c'est con. On va prendre le fusil à pompe, on va se filtrer dedans, ça va être marrant. Bélier ! Bang, placage ! Le croisant est quoi ? Si vous devez trouver un autre, on va retourner à l'échelle. Quelle échelle ? Quelle... Ah, celle-là, peut-être. C'est exactement ouais, le même truc de Dead Island, il n'y a pas de nouveauté pour les joueurs de Dead Island. Et c'est ça qui est cool, on dirait une extension du jeu. Oh putain, t'avais dit. C'est quoi Dylan, maintenant, si vous allez quelque part en bateau, rappelle-moi que je dois pas y aller. Hop, voilà. Oh, les bateaux. On se trompe pas. Ouais, un canon sur un bateau. Et bah putain, pourquoi se battre avec ça? Ah ouais, il y a je kiffe. Ah ouais, juste sur vous avez l'angle. On doit avoir. On doit recharger. Oh putain! Un capitaine et un assassin. C'était lui. Oh putain de merde, putain. Recharge. Il est où le. Ah, il est attaque. Ah ouais, franchement, waouh! Alors là, c'est juste des gore figure. Merde, j'ai plus de. On va prendre le flingue. Oh oui, ça marche. Donc l'infecté qui fonce dessus et moi qui lui fonce. Et voilà, hop, qui gagne. Donc il faut. Ah, voilà, ici. On va le maintenir aux autres. C'est nous qui font encore le sale boulot. C'est nous qu'on fait. C'est nous qu'on fait. Ouais, pas grave. Quand c'est dangereux, on s'est plus conjugué. Lol. Et t'inquiète, ça m'arrive aussi des fois. Je suis pas dans un jeu, si on me demande de conjuguer, mais t'es tombé. Clac, l'assassin, j'entends. Oh putain. Ah. Bon, en tout cas, là, je suis sur le bateau, enfin, je me bats sur le pont du bateau. Parce que je suis encore loin de là où t'es. Mais moi, je pense que j'ai terminé la prologue. Voilà, chapitre 1. Ok, bah tu vas m'attendre pour que moi je finisse. La tempête. Ah merde, en plus, quand on frappe, on nous dit que, allez, l'arme est bientôt cassée. Ah. Ouais, c'est ce que j'ai, ils montent quelques armes et ils font le signe, tu vois, comme si c'était interdit, mais bon, ça veut dire beaucoup de casser, dégage, merde. Oh. Bon, je prends encore parler. Merde, le con, j'ai activé ma furie. Hey, wake up, you all right? Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le navire. Debout, allez debout, sale con. The ship's dead in the water. Can you walk? Ah ben voilà, on retrouve carrément, et c'est ça qui me plaît. Donc par exemple, pour les Call of Duty, on va prendre l'exemple. C'est passé de World at War à Black Ops. Ils ont changé le nom en correspondance avec le jeu. Là, Dead Island. Hop, on réapparaît encore sur une île.
Et c'est ça qui m'impressionne. Et les graphismes sont les... En fait, c'est les mêmes que des Disneyland, mais améliorés. Regardez la mer, comme elle est magnifique. Mais je trouve ce jeu complètement beau. Graphisme super. Et, et la prologue avec toutes les armes qu'on avait, ben c'est foutu. Désolé de te spoil, mais c'est foutu. On n'aura plus qu'un petit couteau. Bah, ça, tu m'étonnes. Je m'y attendais. Voilà. Bon, je m'y attendais. Ben voilà, ben je t'attends. Et ouais. On va faire le. Donc là, c'est l'épisode prologue. Et là, on va faire carrément le premier épisode de. Oh, il se casse. On va faire pause. Voilà, on va faire le premier épisode tout de suite. On se retrouve pour le premier épisode. J'espère que la prologue vous a, que, enfin, vous avez apprécié la prologue. Moi, je vous dis à très bientôt et on se rejoint avec Lorenzo directement pour l'épisode numéro 1 officiel. Ouais. C'est parti.